La locataire qui habitait ici s'est jetée par la fenêtre. À l'endroit où elle est tombée. Oh Dieu, non. Elle est morte sur le coup, la pauvre. Quelles sont les conditions? Raisonnable. 150 euros la semaine, 500 euros le mois. C'est votre dernier prix? Parce que j'ai un budget un peu serré, vous voyez. Vous savez, c'est drôlement difficile de trouver un appartement par les temps qui courent, monsieur. Trelkovski, Nicolas Trelkovski. Trelkovski. La famille de la locataire précédente m'a fait part de son intention de ne pas reprendre les meubles, si bien que vous en profiterez. Vous êtes marié, monsieur Trelkovski? Non. Je demande ça à cause des enfants. C'est une maison calme ici, nous n'aimons pas le bruit. Rassurez-vous, madame, si vous n'aurez pas ce genre d'ennui avec moi. Je suis calme et je suis célibataire. Par ailleurs, ce n'est pas une maison de passe non plus ici. Si c'est pour recevoir des poulettes que vous prenez cet appartement, j'aime autant le donner à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. J'entends bien, madame, si je ne suis pas du tout ce genre de personne. Affaire conclue. Mademoiselle? Mademoiselle? Vous êtes le nouveau locataire? Oui, j'ai emménagé il y a 3 jours. Ah, oh, quelle histoire, hein. Au départ, j'ai pas voulu y croire. Dire que j'avais quitté la veille de si bonne humeur. Qu'est-ce qui lui a pris? La pauvre Simone? Ah, ça plaît Simone. Ouais. Simone, je suis heureux. Et vous recevez son courrier? Ouais. Bah, je la connaissais depuis longtemps, vous savez. Je suis très attristée par ce qui s'est passé. Ouf. Georges Badard. C'est son ami d'enfance. Qui était complètement amoureux d'elle. Simone détestait ses poèmes, alors, étant donné qu'il est en mission militaire, elle n'avait pas le courage de lui dire la vérité. Ah, mais... détruire ses lettres, c'est moi qui devais le faire. Oh. Le pauvre Georges ne sait pas qu'elle s'est suicidée et je continue à recevoir son courrier. Pour ma part, je comprendrai jamais le suicide. J'ai pas d'argument contre, mais ça me dépasse complètement. Bonsoir Stella. Je vous en prie, entrez. Je suis désolée de vous déranger si tard. Non, c'est rien. Vous voulez que je vous offre un verre? Prenez les verres qui sont dans le placard. Hein? À gauche! Ah oui. Pauvre Simone.
J'ai l'impression qu'elle est toujours dans cet appartement. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Elle adorait se déguiser, toutes les deux nous dansions jusqu'à n'en plus pouvoir. Oh, attendez. Je vais vous montrer. Bonjour, ma chérie. Tu m'as manqué. Du bruit, monsieur. Ah bon? Écoutez, je suis confus, mais il est vrai que je reçois une amie chez moi, mais nous écoutons tranquillement de la musique. Tranquillement? Je vais faire un effort, mais vous, de votre côté, soyez ça un peu plus indulgent. On croyait que ça changerait, mais vous? Vous êtes pareil! Vous avez raison, monsieur Dioz. C'est intolérable de faire autant de bruit à cette heure-là, monsieur Tralkowski. Nous espérons vraiment que ça va changer. Bonjour, madame Z. J'espère que cette nuit, vous n'allez pas nous réveiller de nouveau, monsieur Tralkowski. Un café, s'il vous plaît. Chère Simone, je rêve que nous sommes des papillons n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec toi, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire. Georges Badard. J'ai commandé un café, monsieur. Voyez-vous, la machine était un pain. Je vous ai préparé un chocolat chaud avec du tartine à la place. J'aime pas le chocolat. C'est pour votre bien, monsieur. Vous habitez dans l'appartement de celle qui s'est suicidée? Oui. Elle s'assied à cette même table tous les matins. Je lui ai apporté son chocolat chaud avec ses 2 tartines. Bon appétit, monsieur.
Vous êtes resplendissant. Vous êtes audacieux. Dites-moi, monsieur Trelkovski, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de l'appartement ? Je dois sûrement m'en souvenir, madame. Dites de quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Vous vous souvenez de mes recommandations à propos des animaux, chiens, chats ou autres ? Absolument, madame Z. De ce que je vous ai dit à propos des instruments de musique ? Je m'en souviens également, madame Z. Et à propos des femmes ? Vous vous souvenez ? Naturellement, madame Z. Alors pourquoi amenez-vous des femmes chez vous ? Je n'ai amené aucune femme chez moi. Je sais ce que je dis. Hier soir, quand je suis passée devant votre porte, je vous ai distinctement entendu parler avec une femme. Il n'y avait aucune femme chez moi, madame Z. Vous avez mal entendu, je devais chanter. Ce n'est pas mieux. J'ai distinctement entendu une voix féminine. Tout le monde peut se tromper, madame Z. Je ne me serais jamais permis d'amener une femme chez moi, jamais. Vous avez dû confondre avec quelqu'un qui se trouvait soit dans l'escalier, soit dans un autre appartement. L'acoustique de ces vieilles maisons, ça vous joue des tours. Bonne journée. Bonjour, un petit café, pas de chocolat ? Si, un chocolat et deux tartines. Très bien. Vous me mettrez aussi un paquet de camel ? Je suis désolé, je manque actuellement. Il faudra que j'aille chercher. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Des Marlboro, des Vogue. L'ancien locataire fumait toujours les Vogue. Eh ben va pour les Vogue. Les menthols. Elle a un poignet aussi. Je te parle, ça fait plus tellement longtemps qu'on t'a pas vu. Bon, on essaye de se voir demain, ok ? Votre courrier, ça va vous intéresser. Je rêve que nous sommes des papillons n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec toi, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire. Viens ce soir au cimetière de Saint-Vincent. C'est très important. Stella. Qu'est-ce qui
t'arrive, Nicolas? C'est toi qui écris les lettres. T'es avec eux? Depuis longtemps? Depuis le début? Je sais que c'est un complot, vous avez tout préparé. Vous voulez que je finisse quand même? J'aurais pas dû emménager dans cet appartement. À côté. Vous savez, vous avez eu beaucoup de chance. Rien de brisé. Même pas une chenille démise. Cependant, le choc était violent. Où est-ce que vous habitez? Monsieur habite dans mon immeuble. Le moins que je puisse faire pour lui est de bien le ramener. Je veux pas rentrer avec elle. Vous êtes très rigolo, monsieur Trelkovski. Allons, allons. J'ai commis des torts envers vous. Je le reconnais. Il est tout à fait naturel que je cherche à les réparer. Je vais vous reconduire. Par la suite, nous conviendrons d'un dédommagement. Laissez pas l'enlever. C'est une assassine. Elle veut me tuer. C'est le choc. Je vais lui faire une piqûre. Non, pas de piqûre. Pas de piqûre. Je vous en supplie, elle va m'assassiner. Empêchez-les! Sauvez-moi!